M.clap, mémoire immortelle immersive. Donc, objectif, c'est d'utiliser la caméra Insta360X 3 pour créer des immersions virtuelles, aller dans des endroits ou descendre dans des endroits inaccessibles, là, étant donné qu'on n'a pas de drone, et aller chercher des images, des photos immersives dans une cage de verre invisible qui nous protège. Être suspendu dans le vide à différentes hauteurs et voir tout ce qu'on veut voir d'un angle qui est impossible de voir autrement. Donc, j'ai amélioré la ligne que j'avais créée. J'ai pris un bâton que mon fils Rudy avait déjà fait pour les enfants, qui avait fait plein de symboles utilisés pour faire la ligne à double ligne pour l'immersion virtuelle. Donc, on voit les noms ici. On peut voir qui était Eden, pour Eden, et Yuri. Donc, on peut voir. Donc, les petits-enfants, éventuellement, on va savoir quand on va être moins occupé. Donc, on revient à la ligne. Donc, la ligne, c'est une double ligne, monoligne, que j'ai fait une séparation. J'ai réussi à faire, ça m'a pris plusieurs fois là, pour trouver. Arriver à faire la forme qui va par-dessus, rajouter du tape pour que ça bouge pas de là. Puis les deux lignes vont passer par là, les deux cordes. C'est cette corde ici que je vais utiliser, donc je vais être capable de mettre aux alentours de au moins, j'imagine, 30, 100, une centaine de pieds ou 100, entre 100 et 150 pieds qui devraient rentrer là. Mais ça va aller, le maximum qui va rentrer, c'est ça que je vais mettre. Ensuite, on verra. Donc, Mr. Clap, mémoire immortelle immersive, monoligne devenue une double ligne pour la réalité virtuelle. Donc, ensuite, ce qui va être rajouté, on va voir ici, là. Ensuite, ce qui va être rajouté, c'est une installation de ce genre-là qui va aller au bout de la ligne, qui va descendre, comme ça. Qui va être fixé après la corde, les deux cordes les cordes vont partir plus larges sur ce côté-là, avec les anneaux qui vont être assez larges pour faire sûr qu'il n'y a pas une vrille qui s'installe, parce que tout ce que j'ai fait à date, ça tenait des vrilles. J'ai réussi à réduire la vrille, mais je veux la réduire totalement. Je crois qu'avec ce système, ça devrait être pas si pire, sinon il y aura amélioration encore à faire. Donc la caméra va à l'intérieur ici, puis ça va être deux cordes, une corde qui va rejoindre celle-là ici. Une autre corde qui va rejoindre celle-là ici. Donc, on aura une double ligne. Donc, sur ça, c'était Mémoire immortelle immersive, Beauport, Québec, Canada, 29 mars 2024, invention. Modifié plusieurs fois, arrivé à ce niveau-là présentement, et à voir si c'est la bonne finalité. Donc, invention monoligne, une double ligne, c'est une monoligne qui va permettre de faire descendre une caméra sous vide, dans le vide, à différentes hauteurs, puis de permettre d'éviter la vrille, qu'elle ait une corde sans ligne, d'éviter cette fois-ci que même les deux cordes sans ligne ou créer les vrilles, éviter les vrilles de cette façon-là. Quand tu es rendu à 30 mètres, 35, 40 mètres, le vent aussi. Donc, ça va y du plaisir. Donc, c'est Mr. Clap. Que Dieu vous bénisse, donne santé, amour et prospérité. God bless you where you are around the world. This is my invention. It's the double line to the mono line for Insta360X3 when you go for a take a picture in video 3D 360 for immersion in virtual reality to eliminate rotation vrille. Et voilà, mon anglais, think, sorry, my English not very good. Désolé, mon anglais, pas terrible. Sur ce, c'était Mr. Clap et on termine sur deux cordes qui vont passer ici, qui vont être mises à cet endroit-là. Mr. Clap, à la prochaine.